C'est pour avec Jean. Alors, maintenant, tu vas expliquer pourquoi tu es. En fait, bah... T'as pas le micro, là? Si. Non. Non, non, en effet. Je confirme. Mais ça valait le coup de... de me voir péter de rire, concrètement, parce que... là... Non, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, ouais. Ils vont me voir me marrer, puis je vais rajouter un rire genre de clown. De quoi? Hey, tu sais quoi? À la place du micro. Ah non, pourtant il y a le micro qui est bien. Il est sur on ou pas? Non, il est pas sur on, mais il est dessus. Il est sur on. Il est sur off. Ah si, si, il est. Hein. Il est sur on. Ouais. Donc, c'est enregistré, tu crois? Mon dieu! Bon, maintenant tu t'expliques. Bon. En fait, je sais pas pourquoi elle m'a parlé de dents. Pas de dents! Pas de dents à l'intérieur, hein. Les dents qui servent à couper les aliments avant que ça rentre. Donc là-dedans, là. Et. Parce que je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais comme quoi je voulais pas voir mes dents sur les photos. Et là, je me suis prise une crise de fou rire. Sans raison. Enfin, sans raison. Enfin, si, il y a une raison, mais pas valable, on va dire. Je pense que c'est le mot juste. Et là, je me suis pris une crise de fou rire presque au bord des larmes. À croire que c'est la nouvelle version des fou rires ensoleillés remake d'une des vidéos YouTube d'un ancien YouTuber, parce que je crois qu'il a arrêté les vidéos. Mais alors là, c'était vraiment le remake et j'étais morte. De rire, et vous pourrez le voir d'ailleurs dans les photos qui vont défiler à gauche ou droite de l'écran à côté de moi, parce que ça vaut le coup, quoi. Voilà, et je vous fais un très très gros bisou. Vas-y, là, c'est pas grave, j'ai une grosse crise de fou rire parce que Fanny elle a loupé le départ. Et je voulais dire qu'elle a loupé le bon départ. Et oui, je voulais dire, je sais pas si vous avez vu Les Enfoirés, parce que beaucoup de gens ont vu Les Enfoirés. Et dans l'enquête menée par John et je sais plus comment elle s'appelle, mais jouée par Michel Larocque et Nicolas Cantelou, il y a Cadmera et Danny Boone qui arrivent à vélo, comme dans les Ch'tis. Ils disent qu'ils sont mutés à Montpellier et du coup. Nous sommes à Lille, chez les Ch'tis, mais nous n'avons pas vu de facteur, évidemment, puisqu'ils ont été mutés à Montpellier en janvier. Voilà, ça faisait plus de 2 ans et du coup, ils ont été mutés. Ils sont retournés dans le sud, lui qui voulait tellement aller dans le sud, ça y est, ils sont à Montpellier. Donc, pas de facteur. Voilà, c'est fait. Je voulais juste faire un clin d'œil et on n'a pas mangé de baraque à frites parce qu'on n'est pas en Belgique. Voilà. Il fallait qu'on le dise. Plus de facteur, il va pas jusqu'en Belgique, donc il peut pas nous apporter des frites en France. Merde alors. Bye bye.